Voilà, allez, salut les gars, salut. J'espère que vous allez bien. Tant que vous êtes toujours là sur le site, sur la chaîne YouTube de Monsieur le Risque 225. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous présenter. J'avais déjà fait une bourse, j'avais déjà fait une vidéo concernant la bourse de la Croatie pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, je fais cette bourse pour la Croatie aussi, mais cette fois-ci pour tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que tous les étudiants peuvent postuler à cette bourse. Voilà, donc essayez de postuler. La date est déjà arrivée. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est le temps qui manque. Sinon, j'allais enchaîner la vidéo, mais c'est le temps qui manque. Et puis, il y a nous aussi, on a des occupations et tout ça. Donc, quand c'est comme ça, on est assez compressé et puis on est assez limité. Voilà, en ce qui concerne des vidéos. Donc, ce qu'on va faire est très simple. En ce qui concerne la bourse de la Croatie pour tout le monde, voilà, il va appeler ça comme ça, la bourse de la Croatie pour tout le monde. Voilà, c'est la même chose. Il faut avoir auprès de soi le passeport, l'extrait de naissance, voilà. Il faut aussi avoir auprès de soi votre diplôme de baccalauréat, votre diplôme de licence ou bien de master, voilà. Donc, c'est pour vous dire que cette bourse, ça concerne la licence, le master et le doctorat. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, ils peuvent postuler. Comme je vous l'ai dit, la Croatie, c'est un pays qui a fait l'ouverture, qui ne déploie pas assez de modifications. Et puis voilà, vous pouvez postuler. Ça, c'est une technique que vous puissiez postuler. Donc, comme je le disais, cette bourse, elle est vraiment totale. Voilà, elle est vraiment totale. Et puis, les étudiants qui vont avoir cette bourse, seront payés chaque fin du mois, comme d'habitude. Voilà, c'est-à-dire quand il dit total, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Total, ça veut dire que l'accommodation, ça veut dire que le dortoir, ça veut dire que votre assurance maladie, tout ça, c'est déjà assuré. Voilà, donc c'est pas semi total ou bien semi quoi. Non, cette bourse, elle est vraiment complète. Voilà, donc essayez de postuler parce que ça va vous arranger. Voilà, comme je vous l'ai dit, essayez de postuler au maximum des bourses que je mets en ligne. Voilà, parce que j'ai fait l'effort de vous montrer comment est-ce qu'on postule. Voilà, j'ai fait l'effort de vous expliquer bien que vous puissiez mieux postuler. Voilà, donc n'oubliez pas, avant qu'on ne commence, essayez de me donner une pouce bleu. Voilà, à chaque instant que vous regardez la vidéo, essayez au moins de me donner un pouce bleu pour me donner assez de force. Voilà, donc c'est un peu ça. On va essayer de commencer. Je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler. Donc n'oubliez pas, restez là et ayez auprès de vous votre diplôme et puis votre extrait de naissance, aussi votre passeport. Voilà, ayez ça auprès de vous et les diplômes. Diplôme plus relevé, c'est pas mauvais. Donc ayez ça auprès de vous et puis on va essayer de commencer pour vous aider. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Donc on y va, on va commencer à tout à l'heure. Ok, donc voilà, c'est le site qui est là. Donc pour ceux qui veulent vraiment postuler, c'est le moment de postuler. Voilà, je vais mettre ce lien en commentaire, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, donc on peut commencer maintenant. Donc ici, on vous demande comme ça de mettre votre pays d'origine. Donc le pays d'origine, c'est quoi? C'est si moi je suis en Côte d'Ivoire, alors je vais mettre Côte d'Ivoire. Si Côte d'Ivoire n'est pas là, vous sélectionnez Ivory Coast. Voilà. Donc je vais chercher Côte d'Ivoire. C'est identique, c'est la même chose. À chaque instant, c'est les mêmes éléments. Donc ça peut postuler à la bourse. Donc Côte d'Ivoire, ici, on demande connexion, demande de. Donc c'est à vous de choisir. Voici les titres de bourse qui sont là et les niveaux. Voilà. Ici, on dit un semestre d'études pour les étudiants de langue croate à l'étranger. Ici on dit bourse du semestre pour les étudiants de cours de langue. Ici on dit semestre études partielles 3-10 mois. Voilà. Ici c'est quoi? Cours d'été 2 semaines. Voilà, nous c'est pas ça qui nous intéresse. Donc je considère que j'ai le baccalauréat et je viens faire la licence ici. Alors moi je vais prendre ça. Voilà, si vous avez bien remarqué, c'est 36 ou 24 mois. Donc ici, études du premier cycle ou de cycle supérieur. Donc vous prenez ça. Études de licence ou de maîtrise complète. Donc c'est ce qui est là.
si vous êtes si vous avez la licence et que vous voulez faire le master's aussi, voilà, vous pouvez prendre ça aussi. Maintenant, si vous avez le master's et que vous voulez faire le doctorat, vous choisissez ce qui est là. Voilà. Mais nous, on choisit ça parce que nous venons pour la licence, voilà, ou bien le master's. Mais en ce qui me concerne, je vais prendre une licence comme ça. Ça sera fait pour tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on commence le nom. Voilà. Le nom. Voilà, ici, vous répétez, vous mettez le prénom. Voilà. Voilà, le prénom. La date de naissance. La date de naissance, je vais prendre ici, par exemple. Je vais prendre le 21. Troisième mois. Comme je viens pour la licence, je vais mettre 2002. Voilà. Si c'est pas bien fait, vous allez voir, ils vont pas cocher ici en vert. Voilà. Et le lieu de naissance, c'est Abidjan. Je vais mettre Abidjan. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ici, citoyenneté, vous mettez Côte d'Ivoire. Voilà. Si Côte d'Ivoire n'est pas là, vous prenez Ivory Coast. Donc, c'est à vous de voir. Donc, sexe, genre, ça, c'est homme. Voilà. Et le numéro de passeport, vous mettez votre numéro de passeport. Voilà. Ok, donc l'adresse, votre adresse actuelle, c'est où? C'est l'adresse où vous êtes actuellement. Voilà. Donc vous remplissez là. Ici, adresse. Je vais mettre par exemple comme ça. J'étais où là? J'étais à Serge Cassi. Voilà. Appartement 4, voilà, vous pouvez mettre, vous remplissez, ici c'est Serge Cassi, appartement 4. Et la ville ou bien le village, la ville c'était quoi? C'était Abidjan. Voilà, donc c'était Abidjan. Et code postal 12 1863 Abidjan 12. Voilà, donc le pays, ça sera quoi? Ça sera Côte d'Ivoire. Ok, ok, donc on avance. Maintenant ici, adresse permanente. Voilà, l'adresse permanente, si c'est la même chose que l'adresse, que les éléments qui sont vers le haut, voilà, vous pouvez les mettre. Si vous avez bien remarqué, si c'est identique, voilà, vous pouvez laisser. Mais si c'est pas identique, vous pouvez changer. Regardez bien ici, il y a les astérisques encore en rouge. Ça veut dire que c'est vraiment important. Si il n'y a pas d'astérisque, ça veut dire que c'est pas très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre adresse, si vous ne remplissez pas, ça veut dire que votre adresse permanente est identique à l'adresse ici, à l'adresse actuelle. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez, vous ne remplissez pas. Voilà. Maintenant, si vous avez changé de pays et tout ça, de localité, vous devez les mettre, vous devez remplir. Voilà, donc nous on va remplir les éléments où c'est en astérisque en rouge. Voilà, sinon si on veut remplir, on veut remplir ce qui est là, on va remettre encore les mêmes éléments que nous avons mis ici. Vous comprenez? Voilà, ça sera identique. Donc vous pouvez laisser et puis essayer de continuer. Voilà, donc ici comme ça, le numéro de téléphone, c'est pas la peine. Maintenant ici, cellulaire, vous pouvez mettre votre numéro. Voilà, donc en Côte d'Ivoire 5. Voilà. Et ici le courriel, c'est à dire le mail. Le mail, vous mettez votre mail ici, c'est le mail qui est très important. Donc essayez de mettre votre mail. Mmh.
Voilà, il met le mail et vous répétez encore le mail ici. Ok, donc on peut avancer maintenant. Ici, plan d'études, on dit institution en Croatie où vous souhaitez étudier. Voilà, institution en Croatie où vous souhaitez poursuivre vos études ou entreprendre des travaux de recherche. Donc ici, comme ça, ça sera à vous. Voilà, vous pouvez mettre, comment on appelle ça, des universités où vous souhaitez étudier là-bas en Croatie. Donc pour pouvoir choisir les universités, il faudra choisir les universités où vous avez assez de chances d'être sélectionné. Voilà, comme si vous voulez faire par exemple les mathématiques ou bien la physique, vous devez aller sur Google. Voilà, et vous verrez les universités là bas donc ici par exemple, comme ça je vais sur Google rapidement. Donc vous suivez, on va faire ça ensemble. Voilà. Si par exemple vous voulez faire les mathématiques là-bas, donc ici vous écrivez université scientifique par exemple, université sciences de Croatie. Comme ça, peut-être comme ça, université sciences de Croatie, et vous allez voir les universités. Voici les universités qui sont là. Voilà, maintenant par rapport à votre faculté, voilà, il y a des universités qui sont plus accessibles, voilà, aux étudiants. Donc par rapport à vos facultés, voilà, vous pouvez créer une box et puis on va essayer de voir. Maintenant, en ce qui nous concerne, je vais prendre par exemple cette université. Vous allez sur cette université et regardez très bien, vous venez ici pour voir le site web de l'université. Voilà, vous venez ici, vous verrez le site web de l'université, vous choisissez là, vous venez là et ça vous dirige directement sur le site web. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir les programmes qu'ils enseignent. Voilà, donc vous cliquez là ici sur website. Un instant. Donc pour chaque université, voilà, vous cliquez là et puis donc voici l'université qui est choisie, voici le site qui est là. Voilà, je vais mettre en français parce que c'est en croate. Donc ici par exemple, vous venez là, vous pouvez venir là dans le menu, vous allez voir par exemple les programmes ici, voilà, ou bien programme d'études, ou bien programme ici, programme là, voilà. Et le programme, vous venez comme je viens faire le premier cycle, voici premier cycle et tout ça. Donc vous cliquez ici. Liste de tous les programmes d'études. Un instant que mon réseau se rétablisse. Donc, ils vont. Voilà, c'est. Il y a un problème de connexion. Attends. Okay. Voilà, donc voici le programme d'études du premier cycle. Voilà. Donc ici, je viens là, liste des programmes de premier cycle. Ici, programme d'études universitaires premier cycle. Donc je viens là. Voilà, voici les éléments, voici le programme ici. Voici tout le programme. Donc vous allez voir si l'université, le programme que vous voulez étudier se trouve dans l'université. Voici comment ça se passe, voici comment on fait.
voilà, pour pouvoir trouver votre université. Voilà, vous faites ça, vous trouvez votre université et vous choisissez l'université, vous prenez le nom de l'université pour aller faire votre remplissage. Voilà, donc moi je voulais faire l'informatique. Quand je viens là, voici l'informatique qui est là. Vous comprenez? Donc ça veut dire que cette université, je peux choisir cette université pour pouvoir postuler. Voilà, maintenant le fait de savoir est-ce que l'université qui est là, est-ce que l'université qui est là est vraiment accessible aux étudiants étrangers, là c'est autre chose parce que vous ne savez pas. Donc si vous ne savez pas, ça devient très compliqué pour vous. Voilà, donc si vous venez, si vous voulez faire par exemple l'économie ou bien les sciences naturelles ou bien je sais pas, donc c'est à vous de voir. Maintenant, est-ce que l'université est convenable pour vous? Vous pouvez m'écrire une bourse et puis voilà, on va en discuter par rapport à cela. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc je vais sortir, je vous ai montré comment est-ce que vous devez choisir vos universités. Voilà, donc moi je vais le faire comme ça. Voilà, je vous ai montré comment est-ce que vous devez choisir vos universités. Vous allez sur le site de l'université, vous choisissez l'université et puis vous essayez de voir si l'université comporte vos programmes afin de pouvoir l'utiliser et postuler. Voilà, donc je me retourne là. Donc voici les universités qui sont là. Donc voici les universités qui sont là. Moi je prends des universités, je les copie et puis voilà. Donc je prends d'abord l'université qui est là. Je prends l'université qui est là. Je l'entends là. Voilà, je prends une autre université. Je dois mettre une autre université ici. Donc je viens là. Je clique sur l'université qui est là. Je le fais de façon hasardeuse. Voilà, mais vous devez savoir si l'université vraiment comporte vos éléments pour pouvoir les choisir. Voilà, donc n'oubliez pas. C'est pour juste pour que je puisse finir de postuler. Donc ici par exemple, on a choisi l'université. Maintenant on va choisir les éléments, les options. Voilà, ici ça c'est la première université, ici la seconde université, ici la troisième université. Je vais prendre une université par exemple, l'université qui est là. Voilà, donc je copie toujours. Donc n'oubliez pas, cherchez d'abord, ne faites pas comme moi, cherchez d'abord à voir si l'université contient les éléments que vous voulez. Voilà, ok, maintenant que c'est fini, on vient là. Nom de l'étude, projet de recherche. Nom de l'étude, c'est pour ceux qui vont faire la licence. Voilà, et en ce qui concerne le projet de recherche, c'est pour ceux qui vont faire par exemple le master et le doctorat. Voilà, donc ici mathématiques et informatique appliquée. Voilà, je peux prendre ça par exemple. Ok, donc ici, durée des études en Croatie, durée du séjour d'études prévue en Grèce. Donc, durée des études en Croatie, je peux prendre par exemple, si on va commencer en septembre, donc vous devez préciser l'année, le mois. Voilà, donc jour, mois, année. Donc je considère que on va en septembre, donc on va prendre le 21 par exemple, septembre, voilà, 2021. Voilà, et on est là-bas pour par exemple 36 mois ou pour, si c'est la licence que vous voulez faire, c'est en 3 ans. Donc
21 aussi, 9e mois. Et 2021 2022 2023 2024, voilà, ça c'est 2022 2023 2024, donc 2024, voilà, je crois bien, voilà, ça c'est la licence. Voilà, maintenant pour ceux qui ont fait le master, c'est en 2 ans, donc vous allez mettre 21 9e mois 2021 et vous allez trouver ici 21 9e mois 2023, voilà. Donc c'est à vous de voir. Avez-vous un mentor uniquement pour les étudiants du troisième cycle? Non. Si oui, vous cliquez sur oui et puis vous donnez le nom du mentor. Si vous n'avez pas de mentor, alors c'est non. Voilà, il y a deux éléments ici. Avez-vous un mentor supérieur de recherche? Non, je vais mettre en anglais comme ça. On va voir lequel donne non. Voilà, ça c'est oui, ça c'est non. Ok. Donc on repart, parce que quand on passe en français, vous voyez que c'est la même chose. Quand on fait français, voilà, ça donne non maintenant. Mais là, ça sonne non, c'était oui, ça sonne non. Ok. Ici, on nous dit par exemple, avez-vous des contacts avec une institution? Non, vous n'avez pas. Êtes-vous accepté par l'une des universités ou professeur croate? Non. Pas pour le moment. Ok, on arrive là. On vous dit éducation, formation actuelle. Dressez la liste de toutes les études, institutions d'enseignement supérieur, université, collège que vous avez fréquenté à partir du présent. Dressez la liste de toutes les universités. Ok, donc pour ceux qui viennent faire par exemple la licence, ça veut dire vous devez commencer à présenter où est-ce que vous avez étudié pendant peut-être vous avez fait le master ou bien la licence ou vous avez fait le baccalauréat, parce que moi c'est pour mon cas. Par exemple, si je viens faire la licence, il faudrait que je signifie tout, où est-ce que j'ai fait le diplôme de baccalauréat et le BEPC, et voilà. Donc ici on commence toujours par ce qui est récent. Nom de l'établissement, donc vous mettez lycée municipal de Kumasi. Voilà, ça c'est Abidjan. Voilà, et groupe d'études majeur, c'est quoi? C'est baccalauréat. Ok, ici nombre d'années, vous avez fait combien d'années pour pouvoir avoir ce diplôme, voilà, de la sixième peut-être jusqu'à ici. Je vais voir date d'obtention du diplôme. Je vais mettre d'abord le nombre d'années. Si vous avez fait par exemple 2 ans ou 3 ans pour l'avoir, voilà, ou bien de la 6e à la terminale, ça fait 6 ans peut-être, voilà. Et si date d'obtention du diplôme, nous actuellement c'est 2021, donc on considère que c'est 2020. Donc le 12 par exemple, on a eu ça en juin ou bien juillet, le 12 7e mois 2020, voilà. Diplôme, c'est quoi? Baccalauréat. Ok, maintenant ici ça c'est pour la licence. Vous pouvez ajouter ici pour le BEPC. Ici le BEPC c'est quoi? C'est lycée moderne de Port-Boué peut-être, par exemple. Voilà, ça c'est aussi Abidjan. Groupe d'études majeur, c'est quoi? C'est BEPC. Voilà, ici année d'études, vous avez fait 3 ans. Voilà, ici diplôme, date d'obtention. Peut-être si vous avez eu le baccalauréat en 2002, en 2020, alors
si vous reculez peut-être de 3 ans comme ça, c'est 2017, voilà, en 2017, le 21 septembre 2017, ici, l'année d'obtention, 2000, le 7, 5e mois, 2017. Hein? D'accord, donc ici vous ne pouvez pas remplir, voilà. Ici vous ne pouvez pas remplir, voilà. Donc pour ceux qui viennent faire la licence, vous pouvez laisser le second ici. Ici c'est quoi? C'est BEPC, voilà. Et ici vous devez, vous ne pouvez pas. Ici vous ne pouvez pas remplir, donc pour la case qui est là, vous laissez la case, voilà. Et vous ne mettez pas aussi le BPC parce que ils ont déjà verrouillé l'année à 2020, voilà. Donc vous ne pouvez pas remplir pour le BPC. Maintenant ici, semestre pour les étudiants, donc ici semestre pour les étudiants. Donc vous allez prendre, par exemple, ils ont déjà, on vous avait déjà dit ça auparavant, ici au commencement. Voilà, ici, maîtrise, licence ou maîtrise complète, 36 ou 24 mois. 36 pour la licence, 24 mois pour le master. Voilà, donc c'est à vous de voir. Maintenant, ici, on vous demande, par exemple, un instant, ici semestre été, voilà, donc semestre d'été, et ici domaine d'études au moment de la candidature pour les étudiants, voilà, c'est quoi, sciences mathématiques, ou bien ça dépend de vous, programme de base et de qualification. Vous faites quoi actuellement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, vous avez fini la terminale et que vous avez eu le bac C ou bien le bac D, voilà, donc c'est sciences. Maintenant le bac A, c'est littérature. Donc ceux qui vont faire le bac A, ils vont prendre une littérature et numérotation. Maintenant ceux qui vont faire le bac C, par exemple, comme ça, vous pouvez prendre sciences de l'éducation. Voilà, ça dépend de vous. Donc essayez de voir technique, et tout ça, quelle est la filière que vous faites actuellement, voilà, c'est ce qu'ils veulent demander. Donc ça, c'est à vous de voir. Si vous êtes, par exemple, dans une licence 1, vous faites la physique peut-être, ou vous faites les mathématiques, vous mettez mathématiques, voilà. Domaine d'études au moment de la candidature, c'est à dire que au moment où vous faites la candidature, quel est votre domaine d'études? Les mathématiques, langue maternelle, on va pas se fatiguer, on va mettre français. Voilà, ne vous fatiguez pas, mettez français, ça fait rien. Autre langue, tout ça. Autre langue, ici, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment important. Mais si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez mettre aussi l'anglais ici. Voilà. Vous pouvez mettre l'anglais et comprendre à l'écoute. Vous avez les B1. B1, ça veut dire c'est un peu bien. Et puis, lecture aussi, vous pouvez être aussi B1. Et puis, interaction orale, vous avez aussi B1. Production parlée, vous avez aussi B1. Écriture, vous avez B2. Voilà. Mais je vous préviens, vous n'êtes pas obligé de remplir cette partie. Voilà. Ok. Ici, autre détail que vous jugez important pour évaluer votre candidature. Voilà. Si c'est pas vraiment important, mais vous pouvez mettre que. Pour ceux qui sont, par exemple, en licence 3 et qui veulent faire le master, voilà, vous pouvez signifier ici que je suis en licence 3 et j'aimerais faire le master, mais je n'ai pas encore reçu mon diplôme de licence. Vous pouvez mettre tout ici, voilà. Donc, c'est pas un problème. Maintenant, ici, prise en charge du package, documentation relative
Donc, comme je vous le disais, ici, une photocopie du passeport et de la pièce d'identité. Donc ici, vous mettez votre passeport ou bien pièce d'identité. Donc quand vous cliquez, ça vous envoie directement. Voilà, ça vous envoie ici. Donc moi, je mets le passeport. Le passeport, voilà le passeport. Ici, voilà. Et ici, si vous avez bien remarqué, ils ont mis curriculum vitae, Europass, voilà, Europass, vous avez tous Europass parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé Europass, Europass. Maintenant, si vous ne l'avez pas, faites-moi signe par message au numéro en description WhatsApp. Je peux vous envoyer ce formulaire Europass pour que vous puissiez postuler avec. Voilà, donc document Europass, je vais vous montrer ce document là. Ce document là est où là? Je vais vous montrer le document Europass. Voilà le document Europass qui est là. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez me faire signe et puis voilà. Donc, voici la lettre d'intérêt. La lettre d'intérêt, c'est comme une lettre d'intention. Voilà. Une lettre d'intention ou bien une lettre de motivation. Donc, c'est à vous de faire la lettre et puis voilà, vous mettez la lettre là. Voilà. Donc, je considère que moi, ma lettre quelque part ici. Voilà. Donc, je mets la lettre là. Voilà. Et ici, copie du certificat ou diplôme. Copie du diplôme le plus haut niveau. Donc ici, vous allez mettre, si vous venez pour la licence, vous mettez le baccalauréat. Si vous venez pour le master, vous mettez la licence. Donc moi, j'ai considéré que je venais pour la licence, alors je mets le baccalauréat ici. Donc le baccalauréat, c'est ça qui est là. Voilà. Et après cela, preuve de maîtrise de la langue en croate ou en anglais, minimum A1, le certificat de langue de l'école de langue étrangère, un relevé de notes ou d'études de premier cycle. Voilà, ici ils ont mis langue anglaise niveau A1 et ils ont signifié ici un certificat de langue de l'école de langue étrangère, un relevé de notes de l'école. Ou voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas le certificat, voilà, et que vous avez fait des cours peut-être à l'école, mais en anglais, vous pouvez les télécharger ici. Ou bien pour ceux par exemple qui ont fait des certificats comme ça, voilà, qui ont fait des certificats de formation en anglais, vous pouvez aussi les mettre ici. Voilà. Maintenant, comme moi je n'ai pas de certificat, je vais prendre le relevé qui comporte l'élément en anglais, avec une bonne moyenne surtout en anglais. Voilà, donc je peux mettre ça par exemple. Voilà, donc n'oubliez pas, une copie du certificat d'inscription pour le programme de premier cycle soumise après la réussite du processus d'inscription pour le premier cycle et au deuxième cycle. Voilà, est soumise après la mise en œuvre du processus d'inscription. Voilà, ici, vous ne l'avez pas, donc vous laissez ici. Voilà, et ici, autre, vous laissez. Voilà. Et n'oubliez pas, type de fichier accepté, voici ça, taille maximale 2 mégaoctets. Voilà, donc si votre dossier ne passe pas, essayez de voir la taille. Voilà, peut-être que ça dépasse les 2 mégas. Et si ça dépasse les 2 mégas, vous allez sur le net, vous pouvez faire les réductions, vous pouvez diminuer la capacité ou bien la taille de votre dossier. Ok, donc on va peut-être maintenant ici, tous les champs en astérisque doivent être remplis. Voilà. Je déclare que toutes les informations contenues dans cette demande sont complètes et exactes. Je suis conscient de la fourniture d'informations incorrectes sur l'un des problèmes ci-dessus peut entraîner le rejet de ma demande. Voilà. Donc vous cochez ici. Voilà. Ville Abidjan. Si vous êtes à Abidjan, ou bien si vous êtes dans votre pays ou où vous voulez, ville Abidjan. Et ici la date aujourd'hui c'est le 7 5e mois 2021. Ok, donc ici vous pouvez lire ici, on dit le département de l'enseignement supérieur qui opère au sein de l'agence pour la mobilité des programmes de l'Union européenne traite vos dossiers personnels dans le but de postuler au concours des programmes de bourse du gouvernement croate au cours de l'année universitaire 2021-2022. Vous pouvez en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles dans la vie
générale sur le traitement des données personnelles disponibles ici. Le département de l'enseignement supérieur de l'Agence pour la mobilité et le programme de l'UE traite vos data, vos données personnelles dans le but d'évaluer votre candidature au programme de la Bourse de Croatie pour l'année. Ça, des informations détaillées. Voilà. Donc, ici, si vous cliquez ici, vous allez voir vos informations. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on traite le dossier, vous pouvez venir sur le site pour voir vos données. Voilà. Donc, une fois que vous finissez maintenant, vous pouvez soumettre là. S'il y a des problèmes, ils vont vous les signifier. Vous allez pouvoir les remplir. Voilà. Donc, vous cliquez là et ça vous envoie. Forcément, ils vont vous envoyer un mail peut-être. Voilà. Pour que vous puissiez suivre à chaque instant votre demande. Maintenant que lorsque vous soumettez, vous attendez. Voilà. On dit qu'il y a un problème dans la partie 2, je crois. Je vais voir, je vais mettre en français. On dit la partie 2, il y a un problème. Le problème se trouve où? Le problème est... Ici, on dit quoi? On dit de laisser la liste. Ici, par exemple... Ok, je vais. Je déclare. Bien. Ok. S'il y a un souci, je vais voir le souci et puis vous essayez de les remplir. Je vais essayer de soumettre comme c'était en langue croate. Voilà. Je ne peux pas savoir ce qu'il disait, mais je vais essayer de soumettre. Vous mettez en français, on va voir. Voilà, je crois que l'erreur est là. Ça va directement sur l'erreur. Voilà, c'est ici. C'était toujours là. Donc ici, la date, c'était quoi? C'était, je répète, je dis et je le répète. Ceux qui vont faire par exemple, écoutez-moi très bien ce que je dis. Ceux qui vont faire par exemple la licence, vous n'êtes pas obligé de mettre le baccalauréat et le BPC parce que le BPC ça ne pourra pas rentrer. Voilà. Maintenant, ceux qui vont faire par exemple le master, vous mettez le baccalauréat et la licence si vous les avez. Mais ce qui est plus important, c'est le diplôme de licence. Ceux qui ont fait le doctorat, ils doivent mettre le master, c'est ce qui est important. Maintenant, si vous avez la licence, vous mettez aussi la licence. Voilà. Mais commencez par le plus récent. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Sinon, dans les normes, ici je dois mettre 2017, mais comme ça refuse, je ne peux pas mettre 2017. Voilà. Donc, on va essayer maintenant de soumettre et voir ce qu'il y a, le problème qui est là. Ici aussi, on me demande de faire quoi de. Ah, on me demande de remplir. Un instant, je vais tout mettre. J'avais déjà rempli ici, mais je vais remettre les éléments. Voilà. Je veux juste soumettre pour que vous puissiez voir les éléments. Donc n'oubliez pas, l'élément ne doit pas dépasser les 2 mégas. Ici c'est 2 mégas 4. Ici c'est quoi? Ici c'est... Voilà, donc je vais mettre ça encore. N'oubliez pas, ça ce sont mes documents, mais je vous ai déjà montré comment est-ce que vous devez les remplir. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous avez vos documents, alors vous les remplissez normalement. Ça ne doit pas dépasser les 2 mégaoctets. Si ça dépasse les 2 mégaoctets, ils vont vous faire revenir. Voilà. Ça ne doit pas dépasser les 2 mégaoctets. Donc n'oubliez pas. Si ça dépasse les 2 mégaoctets, ils vont vous refuser. Ils vont refuser à ce que vous postulez. Donc voilà, et quoi que ça va. Maintenant, on va essayer de soumettre voix. Voilà, vous voyez, c'est bon. On vient de soumettre. Alors voici tous les éléments. C'est ce qu'elle a. Vous devez tirer cela. Et puis vous pouvez garder. Voilà. Donc voici votre application. Vous avez déjà. Voici. Peut-être que vous allez recevoir un mail de confirmation. Voilà, donc les gars, on vient de finir. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez fini, vous allez voir le document. Et ce document-là, vous allez essayer de tirer ce document. Pour garder pour vous-même, voilà, pour ne pas oublier les références qui sont dessus.
et puis essayez de voir dans votre boîte email si vous avez reçu une lettre, une confirmation pour dire que vous avez bien postulé. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'est un peu ça, avant de quitter la vidéo, essayez de me donner un pouce bleu et puis essayez de commenter. Même si vous n'avez rien à dire, écrivez merci ou bien écrivez si vous n'avez pas, s'il y a quelque chose qui ne vous a pas plu, vous écrivez cela pour que je puisse mieux voir et corriger. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et n'oubliez pas, nous avons un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent vraiment adhérer au groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, ça nous aide aussi et puis ça va vous aider aussi à mieux savoir. Par exemple, actuellement, l'université qui sera vraiment favorable pour votre faculté, vous ne savez pas. C'est vrai, vous allez voir sur le site, je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on fait. Vous allez voir sur le site, vous allez voir l'université de votre faculté, vous allez choisir. Mais est-ce que cette université vraiment a besoin de plus d'étudiants? Vous ne savez pas. Donc, du coup, vous n'allez pas voir quelles sont les possibilités qui vont vous faciliter à avoir une admission. Je vous rappelle très bien, les universités de Croatie veulent vraiment, le gouvernement croate veut vraiment des étudiants étrangers. Donc, voilà. Mais il faudra savoir quelle est l'université qui est prête à recevoir ces étudiants étrangers. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, si vous avez des préoccupations, vous pouvez nous contacter inbox. Voilà, mais avant de nous contacter inbox, suivez d'abord la vidéo. Parce que si vous venez nous poser des questions pour reprendre, pour que nous on puisse encore vous dire et reprendre ce que nous avons déjà fait sur la vidéo, alors je crois que la vidéo va pas servir à grand chose. Vous comprenez? Voilà, donc là, si la vidéo c'est pas grand chose, il ne voit pas pourquoi est-ce que nous serons assis là en train de faire des vidéos à chaque instant. Voilà, donc n'oubliez pas, donnez-moi un pouce bleu. Et puis suivez la vidéo avant de poser la question. Voilà. Et puis postulez, car on ne sait jamais. Donc, c'était moi, Sam Hospita, et vous êtes sur la chaîne de M. Le Russo 225. Donc, les gars, à plus, et puis bye.